Rebonjour à toutes et à tous, c'est incroyable ce qui se passe, on est toujours sur Force. regardez ce qui se passe. Je vous rappelle donc on a complètement fini l'Afrique, mais sans avoir toutes les gouttes de pétrole, hein, un jeu extrêmement engagé, on s'en souvient. Et on avait fini l'Amérique du Nord sans aucun problème. Et maintenant, donc nous continuons notre approche au Moyen-Orient. Nous avons fini la campagne Fait Alternatif sans faire la Gatling à partir de rien. Et là, nous partons sur ADM. Détruire le fort ennemi, empêcher l'ennemi de tirer carrément, et gagner par réaction en chaîne. Vos renseignements sont erronés, ce Derrick est aussi stérile que ses terres. Ne faites pas attention à ces barils, ils sont tous vides. Vous pouvez garder le pétrole, nous sommes venus chercher les armes de destruction massive. Pouh là, c'est tellement engagé, je me répète, mais c'est vraiment... Merci de me faire rire, je me suis fait agresser sans raison apparente. Enfin si, je suis typé méditerranéen, donc merci de me divertir ce soir. Longue carrière pour toi, je le souhaite. Merci Felnot, courage. Nous avons été mis en garde sur l'intention de l'ennemi de placer des snipers dans ses abris. Un blindage protège leur réacteur. Éliminez le sniper avec les vôtres. Bâtissez un pont vers l'atelier d'amélioration, améliorez vos snipers et sniper en sniper perce blindage avant de détruire le réacteur. Ah mais oui. Sniper perce blindage. Rendez-nous notre grandeur, commandant. Merde. J'ai raté, c'est ça? Détruis ça. Ok. Atelier d'amélioration. Clic droit. Améliorer en perce blindage. Améliorer en perce blindage. Améliorer en perce blindage. On peut faire d'autres snipers! Yes! Ah, ils vont se gêner les uns les autres. Ah! Comment ça? Oh là là, mais il me défonce! Ah non, je. Le sport est trop court. Ah merde. C'est pas grave, j'en fais d'autres. Ah mais je peux pas faire de blindage. Putain, c'est chiant. Ah mais ça suffit. Ah mais merde. J'ai même pas eu le temps de tirer une seule fois. Oh, who dead? Who dead? Oh là là. Oh. J'ai gagné. Ah j'ai gagné. Gagné par réaction en chaîne. Mais là j'ai gagné par réaction en chaîne, non? J'ai rien compris, on a rien vu. On recommence. Ouais, ouais, vous, machin. Rendez-nous votre grandeur, commandant. Ok, énorme. Ah, on peut pas grouper les snipers, d'accord. Merde. Voilà, Ouned. Maintenant, on fait le pont. Mais putain! Bah du coup là je l'ai pas empêché de tirer donc j'ai perdu. Ouned. Ah oui, il faut que je fasse là, d'accord, j'ai pigé. Ah. Ah. Interface c'est bizarre. Ok alors attends. En haut Zera. Oui je sais, il faut que je vise le baril du haut mais il faut que j'ai le perce blindage pour ça. Boum. Il faut que j'ai le perce blindage amélioré. Lui là. C'est lui qui pourra tirer en haut sinon je peux pas. Fire! Merci Firetex. Oh là! Oh non! Je suis mort. Oh non! Il a tiré plus haut le con! Aïe! Oui! Alors là-haut! Oh raté! Oh c'est un pixel plus bas! Oh c'est un pixel plus bas! Là! Mais oui! C'est gagné! C'est gagné! Oui! Excellent! Ah et en plus j'ai le truc d'avant! Ah ouais, ça veut dire que là si je refais, je peux juste faire empêcher l'ennemi de tirer et j'ai gagné. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est bon. L'ennemi est passé aux choses sérieuses! Blindez votre fort avant que leur Gatling ne le réduise en gruyère! Détruire le fort ennemi, abattez les Gatling à travers les portes fermées, évitez que le blindage ne subisse de dégâts. Évitez d'être un gruyère. Nous avons inventé la poudre, la suite logique et les Gatling. Hein? Et les Gatling. Ah non, c'est peut-être. Ah non, mais non, c'est normal. La suite logique et les Gatling. Ah ouais, c'est bizarre comme phrase. La suite logique sont les Gatling. La suite logique est l'équipement Gatling. Enfin non, d'accord. Bon, on aurait pu faire mieux. Excusez-moi. J'ai cru que c'était une énorme erreur de traduction, et pas du tout.
Donc nous avons inventé la poudre, la suite logique c'est évidemment le système Gatling. Vous allez pouvoir vous reconvertir en vendeur d'allumettes. Nous allons démolir votre fort en papier mâché et en faire du papier toilette. Bonne chance pour faire du papier toilette avec de l'acier. Hashtag essuyage difficile. Oh là là, j'allais dire un jeu engagé, mais là, un jeu... L'ennemi a construit des Gatling, une version plus puissante mais moins polyvalente de la mitrailleuse. Mais je sais. Ah, c'était la première mission, peut-être. Peut-être j'ai raté. Cet entrepôt bloque la ligne de visée des Gatling, mais ça ne durera pas. Oui. Une fois débarrassé de cet endroit, les Gatling déchireront notre plaquage en bois. Il va falloir renforcer l'avant du fort avec un blindage. Quand le fort sera protégé, construire un maison... D'accord. Et placer un sniper. Et lorsque l'atelier d'amélioration sera terminé, améliorer le sniper en... Je passe à l'action. D'accord. Petit conseil, un blindage oblique dévira les balles et subira aucun dégât. Oui, bon. Rendez-nous notre grandeur, commandant. Alors. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Ah oui, un atelier. Il voulait d'abord qu'on fasse un blindage. Et oui, mais le blindage oblique. Bon, tant pis, je le ferai plus tard. Là. Arme. Sniper. Comment ça? Ah, mais parce qu'il n'y a pas de porte. Ah, il n'y a pas de porte. Qu'est-ce que... Comment je... Allez, je voudrais... Ah non, je... Je me suis trompé. J'ai un peu du mal avec l'interface, pour être honnête. Pour être honnête avec vous, en ce moment, j'ai un petit peu du mal avec l'interface. Tu peux améliorer les trucs en bois, en blindage, non? Quoi? Ah bon? Vous croyez? Je sais pas, j'ai pas réussi tout à l'heure. À moins que... Ah, comme ça! Ah putain, ok. Ça marche. Bon, je savais pas. Oh, un peu sous-polet, les Gatling, hein. Voilà, on améliore dès que le truc est terminé. On améliore, on améliore, on améliore. Tu transpires le swag. Ok. Oh là là, non! Non! Réparer! Ah non, je... Non! Ah non! Voilà, tout est oblique. Quasiment. Oblique et collégramme. Ah ouais, ou alors je fais un truc comme ça. Voilà, comme ça il est deg. Tout est vraiment oblique. Ok, génial. Alors du coup, on va voir notre sniper. Abattre les Gatling à travers les portes fermées, éviter le blindage, subisse de dégâts. Ah bah là c'est mort pour le blindage, subisse de dégâts, éviter machin. Oh! Entre les deux! J'y crois pas. Bim. Adidadadadada. Oh là là, j'ai raté. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Le voilà ton blindage oblique. Ah ouais, là c'est bon là. C'est bon, il est mort. Mort! À travers les portes fermées. Ah oui, d'accord, j'ai rien fait comme il fallait de la mission. Du coup, là, je vais finir. Ah. Je vais finir, mais j'aurai 0 points en fait. C'est génial. Rikimaru fête son deuxième anniversaire. Putain, mais Rikimaru, énorme! Ce bon vieux personnage fourbe de Dota. Abattre les Gatling à travers les portes fermées. Bah, sinon, là, je réessaye. Mais est-ce que ça va me compter le truc? Je pense pas. Mais putain, c'est pas possible! Où est-ce que je tire, mon sang? Alors. Ah! Voilà! Excellent! Excellent, excellent! Boum! Et on n'avait même pas à détruire le fort dans les objectifs! Terrible, non? Si, si, j'avais up le sniper, sinon on ne peut pas. Si, on a quand même toujours détruit le fort ennemi, bon, très bien. Très bien, très bien! Excellent! J'aurais pu aussi relier jusqu'à l'entrepôt comme un génie et faire. Et faire tout cela. Razek 1er fête son 4ème anniversaire. Et les gars, si on mettait des barils explosifs à côté de notre réacteur. Eh oui, mais ils en ont besoin, c'est l'essence, c'est le pétrole. Ils en ont besoin, bordel. Alors il me faut une étoile de plus, alors je vais essayer ça peut-être. C'était quoi? Faire deux premiers tirs précis, empêcher la réparation des mitrailleuses. Je me rappelle, je me rappelle, c'est bon. Ok, énorme. Allez, un. On espère que le deuxième sera précis. Oui. Oh, mais c'est incroyable. Alors maintenant, il faut que je défonce les mitrailleuses chaque fois qu'elles pop. C'est mon seul objectif à présent et j'aurai mes deux étoiles. Donc
dès qu'une mitrailleuse pop, bam, c'est pour moi. Allez, 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 allez. Mais oui, elles se sont détruites beaucoup trop vite. Oh merde! J'aurais pas dû faire ça. Voilà, boum! Ah mais le sniper ça fait vraiment rien. Genre si je tire dans les palettes de bois avec le snipe, c'est... Ah si! Incroyable! Mais ce finisher! Excellent! Et voilà, c'est la triplette! Oh là là! Le jeu n'a plus de secret pour moi, c'est génial! Et voilà. Et là, boum! On accède à l'Europe! Non? Ah si! Théâtre débloqué, Europe! Ce PGM! Mais évidemment! Ce Deus! Hein? Dadadi, dadadi, dadadou, dadadi. Oui, c'est bon. Mais putain, mais yes! Alors, l'ennemi nous menace de ses mortiers incendiaires! Oh là là! Ah oui, le napalm, c'est pas interdit par la Convention de Genève, ça? Combattre le feu par le feu, c'est ma devise. Certains ponts furent bâtis pour brûler. Ah oui. Ah oui, donc là au moins. Là au moins, c'est clair. Alors, on fait quoi? La maison brûle, un pont trop loin, les naufragés. Non, d'abord la maison brûle, puisque c'était là où ils voulaient qu'on aille. Ah, mais attendez, en plus il pleut et tout. Détruire le fort ennemi, ne pas se faire toucher, atteindre un mortier. Aïe aïe aïe. Europe, du coup il pleut, c'est logique. Putain, j'avoue. C'est l'heure des feux d'artifice, prenez garde au souffle du dragon. Franchement, tu te demandes pourquoi ils ont mis vraiment les continents du monde. Parce que le lore, y'a rien qui fait penser à l'Afrique. Si, oui, vite fait, l'environnement, ok, super. En plus, c'est méga cliché, genre la savane, la pluie et les collines, et l'Amérique, c'était quoi, je sais plus, c'était la neige, non, je sais plus. Enfin, je sais pas, mais vraiment, c'était vraiment... L'Italie n'existe plus dans le futur. Oui, c'est vrai, sur la carte, y avait même pas tous les pays. Les habitants de maisonnettes en bois devraient éviter de jouer avec le feu. Hashtag le bois, c'est la vie. Énorme. Ils ont voulu faire une référence à Camelot. L'ennemi a renforcé son fort avec un blindage. Cependant, il demeure un point faible dans le plaquage de bois, qui est vulnérable au feu. Mais il pleut. Construisez un laboratoire ici. Moi je dis rien, mais à heure de jeu égale, voilà quoi. Ah, c'est ça, Ratonmout. Un deuxième essai, c'est le kill immédiat. Voilà. Puis placez un mortier là. Utilisez vos mitrailleuses pour empêcher les obus de mortier de mettre le feu au fort. Quoi? Tiens, un tips pour t'acheter plus de bouteilles d'eau au casino. Et ouais! Des gens que j'ai croisés au casino tout à l'heure. J'étais en train d'acheter des bouteilles d'eau. Ils ont fait Zerator! J'ai dit, bah voyez, j'achète des bouteilles d'eau. Et je leur ai dit, je stream ce soir et ils sont là. Énorme! Santé, Quintus! Alors, utilisez vos mitrailleuses pour empêcher les obus de mortier de mettre le feu au fort. Rendez-nous notre grandeur, commandant! Alors il faut faire quoi? J'ai rien compris. Oui, atteindre un mortier. C'est quoi? Laboratoire. Ah oui, c'est ça. J'ai rien écouté. Laboratoire. Bonjour. Ah, ne pas se faire toucher, il y avait. Je peux pas ne pas me faire toucher. Ok. Laboratoire. Bon, on va attendre. Hein. Tirez sur les obus! En fait, ne pas se faire toucher, ça veut juste dire... Faites 1 million de mitrailleuses, comme ça vous êtes sûr que les obus vous arrivent pas dans la gueule. D'accord? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça veut dire ça. Alors là, s'il y a un obus qui me touche, je vais vous dire. T'as ressources. J'avais pas vu, mais à droite on a toujours ressources illimitées et tout. Ça va changer après quand t'auras plus limité. Alors! J'espère que quelqu'un va réussir à les toucher quand même. Bon bah là, on devrait ne pas se faire toucher normalement. J'ai jamais vu un fort qui tombe. En fait, j'ai construit, je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'essayer de voir s'ils peuvent tomber parce que on fait que voir des forts qui font ça, mais y'en a aucun qui tombe. Et ben voilà. Merci pour la bonne humeur que tu nous transmets. Tu as encore de belles années devant toi, des années en or. Des années en or. Ouais, ouais, le feu d'artifice, mon cul, allez. Machine, laboratoire. Non mais ça, c'est vraiment le truc le plus ridicule de tous les temps, quoi. Ça peut tomber, les forts, blam. Ok. Pas de problème. En fait, je voulais juste faire ça pour faire plein de mitraillettes, pour rigoler. Oh non. Oh non, non, non. Attendez, alourdissez à gauche. Oh non mais merde, on peut pas rire.
Hein? Ah non, je vais quitter! Oh, on peut plus rire! On ne peut pas rire! On ne peut donc point rire! Voilà, on va s'arrêter là, parce que visiblement le jeu est soupolé. Je vais me le mettre là, mon petit laboratoire d'ailleurs. Pourquoi je le mettrais forcément. Ça va retomber. Non. Ouais, c'est bon. C'est bon, on est bon. On est nickel. Ça tient avec les cordes, je pense. On n'a pas les cordes, je crois. Non, on n'a pas les cordes, on a que le bois là. C'est bon, là ça tient nickel. Si un obus passe, on va regarder. Test. Formidable. Le test est concluant. Des cordes. Il n'y a pas les cordes. C'est vrai que sur la des cordes. Il n'y a rien, il n'y a que du bois là, putain. Ah, mais moi ça me prouve que peu de gens jouent au jeu, c'est bien. Fais des renforcements derrière. Oui, c'est ça, il faudrait que je fasse ça en fait. Faudrait que je fasse des trucs comme ça. Faudrait que je fasse. Voilà, il est un peu plus équilibré sur la gauche déjà, mais pas tant que ça. Les coulisses du futur best-of. Est-ce que ça tombe. Hein? Est-ce que ça tombe les forts? Mais non, mais c'est terrible, en vrai. Alors, machine, laboratoire. Ah, c'est bon. Requiert laboratoire, d'accord. Mortier incendiaire. Bon alors, j'ai plus de place moi. On va en enlever une. Toi, adieu. Ouais, moi, chef. Adieu. Voilà. Et oh! Ah, voilà. J'allais dire, je vais quand même pas me faire toucher, non? Pas déconner. Bon, formidable. On va pas se faire toucher. Et donc, il faut arriver à tirer quoi sur ça? Putain, ça va être chaud. Je sais pas si j'ai assez de range en vrai. Aucune idée. Ah voilà, et là on a aucune trajectoire. En voyant, ça donne quoi si je tire là par exemple? Bien trop haut! Bien trop haut! Enfin, bien trop bas, pardon. Il faut faire une meilleure cloche. Non, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Ah non! Ah, c'est moyen. Atteindre un mortier! Bah cool! Il fallait faire ça. Alors on modifie l'angle légèrement, ça devrait peut-être suffire. Et BAM! Et voilà, c'est gagné! Maintenant, je peux AFK et boire un coup. Il a fallu 3 tirs seulement! Bravo à tous, GG! Merci! Oui? Oh, c'est gagné, hein! Il m'a fallu 3 tirs, c'est gagné! Le jeu est simple, il suffit d'être fort! La pluie. Ah, mais la pluie n'éteint pas un énorme feu. Bon, sauf que là, ça aurait pas forcément dû prendre. Après, ça dépend. Hein. Vous pouvez faire du feu sous la pluie. Hein. Ça dépend ce que vous enflammez. Ouais. Le pote en face n'a pas de touche R. Exactement. Non, mais c'est la campagne. C'est pour apprendre à jouer un petit peu. C'est bien qu'il y ait une campagne. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait une campagne. Nos nouveaux missiles ont besoin d'un sniper pour la visée laser. Un pont nous permettra de rejoindre le sniper abandonné. Ça, c'est emmerdant, ça. Deux en fait de tir quand t'as eu le mortier, ça a enflammé la structure. Ah oui, c'est vrai, la pluie n'atteint pas Zerator. Exactement. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais, très bien. Alors j'ai rien écouté, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas avec un simple mortier que vous allez vaincre mes mitrailleuses. Que dites-vous d'une ou deux ogives alors? Hashtag super, hein, surcompensation. 3 mitrailleuses défendent ce fort. Notre mortier lourd ne sera pas suffisant pour cette mission. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons donc construit 2 missiles nucléaires. Nous avons donc construit 2 silos à missiles, mais il nous faut un sniper pour marquer les cibles. Un peu comme dans StarCraft par exemple. Bâtissez un pont vers le premier affleurement. Afin de vous diriger vers le second. Afin de vous diriger vers le troisième. Oh là là! Ah bah c'est bien qu'il y ait une boule volante. Les cordes peuvent s'attacher un peu partout afin de supporter vos ponts. Ah oui, genre là-dedans. Un petit conseil, utilisez le mortier pour provoquer des tirs de mitrailleuses ennemies avant de détruire avec le sniper. Ah oui, pour qu'elles ouvrent leurs portes. Oh, c'est intelligent. Oh, c'est intelligent. Rendez-nous votre grandeur, commandant. Intelligent, ce jeu. Ok, énorme. Y'a pas genre des raccourcis? Là, j'aimerais bien faire vite une corde. Ok, c'est de la merde. Ok. Mais la corde, elle tient que dalle.
Oh non, mais c'est de la merde. L'interface, c'est de la merde. Faut être très précis, sinon si tu rates, t'es mort. Compte ou t'es mort. Ils sont pas du tout tendus, ces cordes de merde. Hop. Et les cordes, c'est infini ou quoi? Ah non. Très bien. Ah putain, c'est vrai qu'il y en a un autre. En fait, c'est juste que je vais trop vite, je pense. Qu'en vrai, il faudrait faire ça. Comme ça. Ensuite, continuer d'avancer. Genre, j'en fais deux, je tire une corde. J'en fais deux, je tire une corde. Oh merde! Oh, l'interface me gonfle. Oh! Putain, putain, du calme! Oh, ça a lâché la corde! Oh! Oh, c'est trop de la merde. Ok, ça tient. Merde, ça tient nickel. Alors comment on fait? Alors il faut faire des groupes. Parce que moi, si on fait ça, on fait groupe 1. Et ça, on fait groupe 2. C'est-à-dire que là, je ferai groupe 1. Paf. Et là, 2 direct, j'ouvre la porte. Et boum. Ah. Ça n'a pas suffi. Putain, mais c'est incroyable! Ne pas rejoindre les îles flottantes, abattre tous les mitrailleurs sniper. Oui, bon, j'aurais pas le. J'aurais pas l'objectif secondaire, quoi. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je tirais trop vite! C'est insupportable. Attendez, attendez. Ah, par contre, le fait d'avoir réussi le premier tir me met vraiment en joie. Boum! Ou Ned, et donc va falloir faire un peu plus bas pour la mitraillette du milieu. C'est pas ça qu'il faut faire. Quoi? Ah bon? Abattre toutes les mitrailleuses au sniper. Ah mais non, c'est vrai! Faut les marquer au... Non mais ce sera après, je pense. T'as pas compris, RIP. Non mais ce sera après! Non? Améliore la visée des autres... Attends. Le truc de, des missiles nucléaires, là. Ce sera après, non? Attends. Ah mais non! Fallait faire comme ça! Comment ça marche? Il y va là? Ah, il arrive pas à tirer dessus! Ah! Mais non, j'ai raté du coup! Abattre toutes les mitrailleuses au sniper! Laissez-le, il fait l'objectif facultatif! Ah, mais ouais, merde! Vous m'avez niqué! Vous m'avez niqué! Le chat qui TK! Vous m'avez trop niqué! En fait, je faisais ce qu'il fallait pour avoir l'objectif secondaire. Et vous... Oh, je suis un peu déçu, là. C'est pas grave, je recommence. Pour la peine, je recommence. Allez, on recommence avec le pont merdique. Non, non, je faisais ce qu'il fallait, tout va bien. Enfin, je faisais ce qu'il fallait pour l'objectif secondaire. Putain, le chat nul qui comprend jamais rien et qui m'a TK. Scandaleux. Oh, merde! Oh, c'est nul, ce jeu. Non, honnêtement, ça c'est un vrai problème d'interface. Non mais dégage. Non mais ça, il y a un problème de ouf dans l'interface de ce jeu. On peut pas aller assez vite. C'est insupportable. Parce qu'en fait, en vrai, ce que je voulais faire... T'as changé, t'écoutes les viewers et du coup ils t'ont TK. Je voulais faire ça et ça comme ça vite. Vous comprenez? Oh putain. Génial. Donc, en fait, si on va assez vite et qu'on arrive à relier, hop, après on a le suivant, donc on s'en fout. Bref. J'essaie de pas rejoindre les îles flottantes. C'est l'objectif. J'aurais pas dû faire ça. Ça va péter au prochain truc. Mais là, en fait, si j'arrive à faire vite ça et ensuite vite un tiret sur l'autre, c'est bon. Voilà! Nickel. Maintenant, faut faire la même chose. Parce qu'après, on s'en fout. C'est exactement ce que je voulais faire. Fais des arches. Non, mais on s'en fout. Là, c'est pour rusher. Mais c'est pas comme Polybridge où on peut faire tout un truc et ensuite construire autour du truc et dire ok, vas-y, valide-le, tu vois. Poro 42, merci pour ton sub. Merci beaucoup. Best pont ever. Merci, merci. Hop, on solidifie ça. Mais comment ça? Mais comment ça?
Mais dégage, mais je veux pas du tout faire ça. Mais le jeu ne m'écoute pas. C'est pas grave. Alors. Alors. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud, c'est rouge. J'avais même pas vu qu'il y avait la... Merde. J'avais même pas vu qu'il y avait la force. Merde. Mais allez, il est un peu brun que ballant, mais ça ira, non? Attendez, j'attends. Les architectes en sang. J'ai pas envie de me servir de la montagne. Ah génial, ça vraiment, Zerator, c'est de toute beauté, quoi. Faut que je fasse des arches comme ça ici. À la Polybridge. Pas de problème. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Je sais même pas pourquoi je fais ça alors qu'on sait très bien que tout ça va péter dans un truc. Salut Punky723, merci beaucoup. Alors que tout le monde sait. Ou alors, part des deux côtés puis rejoins. Toi par exemple t'es un génie tu vois. Parce que t'as pas réalisé qu'on pouvait pas partir de ce côté là et on pouvait rien faire avec ça. Donc ça c'est rigolo. Enfin bref. Voilà hop. Et là tout pète mais on s'en fout, on a rejoint le truc. Donc allez on s'en fout. On y va. Mais par contre, ne pas rejoindre les îles flottantes, c'est... Je l'ai fait, non? Je comprends pas. Bon, par contre, il y avait cette corde-là, mais ça, je pouvais rien faire. Bon, enfin, bref, peu importe. Groupe 1. Groupe 2. Merde, raté. Raté de ouf. Franchement, raté de ouf. Pont du Turfu. Ah, ils ont détruit mon... C'est pas grave, on peut en refaire un. Je pensais pas qu'on pouvait en refaire un, pardon. Y a un blindage, du coup les mitraillettes, ouais. On n'a pas de métal, hein, c'est ça? Oh, on a que des cordes et tout. Nous n'avons aucun métal. Supprime la première corde, vous croyez? Non, ça change rien. Sniper est mort. Non mais ça on peut le refaire, j'ai cru au bout d'un moment que j'étais niqué. Mais en fait pas du tout. Oh, raté, un peu plus bas. Ok, un peu plus bas, un peu plus bas. Un peu plus bas, tout va bien. Oh non, mais n'importe quoi! Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas ouvert les trucs. Il y a une deuxième corde. Non, mais elle est pas sur une île flottante si tu veux. Oh merde! Magnifique, un pont parfait! Polybridge, style ce jeu a des soundtracks à 7€. Mec, c'est trop bien Polybridge. La soundtrack de Polybridge, ça vaut plus que le jeu, je crois. Enfin, ça devrait valoir plus que le jeu. Ok, j'en ai une! J'en ai eu une! Mission ignoble. Oh, raté! Un peu plus bas. Un peu plus bas. Tu attends pour le deux tirs avant qu'il se referme. Ah ouais? Ah, peut-être, j'avoue. J'ai même pas réalisé. Oh merde. Ouais, non, j'ai carrément pas le temps. J'ai carrément pas le temps. La mission chiante. Quoi? Trop pas? Ah, mais oui, parce que c'est un peu difficile. Du coup, c'est vrai que pour notre monde actuel, dans les jeux vidéo, difficile ça veut dire un truc chiant du coup. L'objectif va être validé en fin de partie. Ouais, c'est ce que je pense aussi. J'ai bon espoir. Oh mais non, j'étais dessus! Mais là c'est pas refermé là. Si? Non, attendez, ça a bugué là. J'étais en plein dessus. Mais quoi? Non mais c'est bugué. C'est pas grave, je vais tirer un petit peu au-dessus, c'est pas grave, j'ai un pattern. Oh voilà, nickel. Ok, la dernière. La dernière, la dernière. Tout va bien. Tout ça c'est à cause de vous le chat, hein, si vous m'aviez pas TK au premier essai. Merde. On n'en serait pas là. On n'en serait pas là, le chat, vous vous rendez compte? On n'en serait pas là. Oh, mais merde. En fait, c'est perma ouvert, ce truc. Mais putain, quel débile. En fait, elle est perma ouverte, j'avoue. Merde. Oh, mais non. Mais qu'est-ce que je fous? Parce que chaque fois, j'oublie qu'en fait, il me... Ah, voilà. Il me prend en compte le recul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah oui, bah maintenant faut faire le truc qu'on m'a demandé de faire. Target acquired. Voilà. Formidable. Et là on peut retirer direct avec celui-là ou pas? Ah, ça tire en chaîne en fait, c'est ça? Ah ouais, mais le cooldown est hyper long. J'ai compris. Bon voilà, c'est bon là non? Ah non, c'est pas bon. Et maintenant on le déplace. Ah non, faudra le rechanger, d'accord. Je peux tirer direct dans le...
J'ai mis le feu. À vous, j'ai mis le feu et ça va. Ça va cramer. Non, pas du tout. Ok. Bah, faut attendre le cooldown de ça, voilà. Paf! C'est bon, on a gagné! Zera, j'aime des lol. Quand tu vois les trailers de ce jeu, c'est un putain de film. Au final, tu regardes, c'est galère as fuck. Je vais partir à... Non, mais c'est juste que là, j'essaie de faire un truc précis. Là, j'essaie de faire un truc précis. Bon, bah voilà, on a tout eu! Ne pas rejoindre les îles flottantes, on a réussi à le faire. Ça valait les 3 gouttes. Ça valait les 3 gouttelettes. Bim, bim, bim. C'était au Royaume-Uni. Donc évidemment, pas d'Italie, hein. Pas d'Italie, pas de Corse, pas de Sardaigne, rien. Rien du tout. Pas de Grèce, d'ailleurs. Enfin, pas mal, Chypre. Le terrain va poser un problème. Nous n'avons aucun angle de tir dégagé. Construisez et améliorez des mortiers afin de paralyser leurs opérations. Ok. Mais avant, on va faire une petite pause. Merci beaucoup Azuria pour ton sub. Mesdames et messieurs, c'est la petite pause de 5 petites minutes. Donc on revient dans 5 petites minutes, ne bougez pas, toujours sur Force. On continue cette campagne, on va voir où est-ce qu'on peut s'arrêter ce soir, hein, finalement. Donc je ne sais pas. A tout de suite, nous verrons bien.